En manchette ce soir, élan de solidarité sans précédent à Lasar. Après l'incendie ravageur au centre-ville, les citoyens se mobilisent pour aider les sinistrés. Ça va permettre de trouver des locaux. La population se mobilise vraiment beaucoup, c'est vraiment généreux. Réinsertion des itinérants dans le milieu du travail à Rouyn-Noranda. Le nombre de chats déborde dans les refuges de la région. Cette année, c'est la première fois qu'on a tant de chatons qui n'ont pas trouvé encore preneur. On a proche 80 chats présentement sur une capacité d'à peu près 40. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Après qu'un incendie ravageur ait détruit le centre-ville de Lasar dans la nuit de dimanche à lundi, voilà que la population d'Abitibi-Ouest s'organise pour aider les sinistrés. Un mouvement de solidarité s'exprime tant chez les gens d'affaires qu'au sein des citoyens. Entrevue d'Yvon Moreau. Il y a 13 commerçants qui ont été touchés dans ce feu-là. Et à la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest, je pense que on est déjà en mode, sauvetage. Oui, ben en fait, c'est ça, en mode solution, pour essayer de permettre à nos commerçants de pouvoir repartir leurs opérations le plus rapidement possible. Fait que la Chambre des commerces travaille en partenariat avec plusieurs entreprises pour leur permettre de trouver des locaux. On a déjà plusieurs locaux là, de disponibles, si jamais il y en a qui en ont besoin, de pouvoir essayer de repartir leur commerce le plus rapidement possible. Ça n'arrête pas les réunions depuis hier, si on peut dire, là, pour tenter de solidariser tout le monde. Là. En fait, c'est important là, pour notre économie, pour les gens aussi qui avaient leur loyer là, à cet endroit-là, d'être capable de retrouver leur petit train-train quotidien le plus rapidement possible là, pour ne pas avoir un trop gros trou économiquement puis de pouvoir passer à travers de ça. Toute la gang ensemble, c'est sûr que c'est beaucoup plus évident que d'essayer de combattre ça toute seule. Là. Il y a la fromagerie, la Vache à Mayotte, là, qui a initié là, une levée de fonds là, pendant le marché public qui va se tenir ce vendredi à Palmarol pour permettre de ramasser les fonds avec les profits qu'ils vont faire dans cette journée-là pour aider les sinistrés à pouvoir combattre cette tristesse. Nous, on donne de l'aide vestimentaire gratuitement, donc ils peuvent se revêtir. Et aussi, on peut donner l'aide alimentaire aussi gratuitement. En fait, là, jusqu'à temps qu'ils se relocalisent, lorsqu'ils vont se relocaliser, ben là, à ce moment-là, ils vont pouvoir recevoir un bon d'achat d'épicerie pour vraiment regarnir leur garde-manger. C'est combien de citoyens, à votre avis, là, qui ont été touchés par ce sinistre-là? C'est environ 22 personnes, là, parce qu'il y a des appartements aussi qui ont été inondés, donc ils ne peuvent pas retrouver leur logement pour demain, malheureusement. Et à la réunion d'aujourd'hui, la ville de Lasar a dit s'impliquer pour l'obtention, pour trouver des nouveaux logements à tout ce monde-là? Oui, effectivement, ils sont impliqués, ils sont à la recherche d'eux, ils vont faire des appels aux propriétaires, des appels aux citoyens, voir s'il y a des gens qui pourraient les héberger pour quelque temps. Après la pieuvre de Val d'Or, c'est au tour de la Maison du Soleil Levant à Rouyn-Noranda d'organiser le projet Tapage, un projet de réinsertion en milieu de travail pour les gens qui tentent de se sortir de leur situation d'itinérance. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Avec leur dossard orange, vous les avez peut-être remarqués, les participants du projet Tapage sont des résidents du centre d'hébergement de la Maison du Soleil Levant qui tentent de se sortir d'une situation d'itinérance. Le projet Tapage, c'est un travail alternatif payé à la journée. Tu sais, c'est quand même un boost de confiance en soi. Oui, j'ai fait ça, puis je mérite un salaire à la fin. C'est même gratifiant en fait pour eux. Puis c'est aussi le principe de se lever à 8h30, aller travailler. Rien que la petite routine comme ça à mettre en place, c'est déjà un bon début, je trouve. Le programme offre un métier aux moins de 30 ans en vue de la réintégration au marché du travail. Les tapageurs sont payés 50$ pour 3 heures de travail, un salaire qui est assuré par la Maison du Soleil Levant. Clean the park and the streets for a nice place for all the people. Extra money for me, I have the other job. But it's nice, it's beautiful. Moi, je le fais pas pour l'argent. Moi, je le fais pour
la propriété de tout le monde ici, le monde du monde de Rouen. Ouais, ça fait énormément de différence dans ma vie. T'sais, je vis bien à cette heure, je mange, j'ai un lit, je me sens plus en sécurité là-bas qu'aux maisons qu'au refuge. T'sais. Les projets Tapage existent partout à travers le monde. Pour le moment, on ramasse les déchets au centre-ville de Rouyn-Noranda, mais d'autres initiatives sont possibles, selon l'intervenante Chloé Brunet. Ça fait juste une semaine que je l'ai mis en place. Pour le moment, c'est vraiment juste du nettoyage de ville. Mais après ça, justement, je leur ai dit, écoutez, s'il y a des choses que vous voulez faire, dites-le moi, puis je vais essayer de contacter les entreprises. Donc, moi, je vise vraiment de la réinsertion dans le monde du travail, mais je vais vraiment aller avec eux, ce qu'ils ont envie d'essayer là. Aussi, je travaille avec eux. Je suis pas juste à les regarder, donc ça leur permet d'avoir une intervenante aussi à qui parler. Par exemple, si à la maison ils ont pas, ils osent pas ou etc. Au moins là, je suis là. Puis ça permet aussi de créer des liens beaucoup plus facilement. D'ailleurs, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, est en visite cette semaine dans la région. Il s'est justement entretenu avec la Maison du Soleil Levant et le député Daniel Bernard. À suivre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Les refuges pour animaux de la région débordent d'animaux, actuellement notamment de chatons. Et avec la récente période de déménagement du 1er juillet, la situation est loin de s'améliorer. Reportage d'Alexis Dumont. Le nombre de chatons présents dans les refuges de la région continue d'augmenter. Plusieurs abandons ont été remarqués dans les derniers mois, mais la situation ne date pas d'hier. C'est sûr que les déménagements, ça y joue pour beaucoup. Les propriétaires qui n'acceptent pas les animaux dans certains logements, les gens déménagent, donc ils ont des animaux, ne peuvent pas les transférer dans leur nouvel appartement, nouvelle demeure, donc doivent les abandonner. Malheureusement, les refuges débordent déjà, donc les gens ne sont pas nécessairement capables de les relocaliser. Plusieurs chats se retrouvent également non stérilisés, donnant lieu à plusieurs portées de chatons, ce qui augmente le nombre de petits poilus, et les familles pour les accueillir restent toutefois insuffisantes. Nous autres, on a une page Facebook qu'on marque « Recherche propriétaire » quand on récupère un chat ou un chien. Ils sont pas réclamés, fait que c'est sûr qu'ils sont pas stérilisés. Fait que des fois, le monde va se procurer un chat sur les réseaux sociaux, ils ne feront pas opérer. C'est sûr qu'un mâle, une femelle, pas opérer à l'âge adulte, même pas adulte, là, dès qu'ils sont ados, là, bien, ça fait le territoire. Certains refuges de la région ont besoin de main-forte pour venir à bout de pouvoir aider au maximum ces petites bêtes. On a proche 80 chats présentement sur une capacité d'à peu près 40, là. Donc, c'est vraiment difficile. On a beaucoup d'aide des citoyens là-dessus. On est vraiment chanceux. Des dons en argent, en nourriture, en litière, ça nous donne un bon coup de main. Le manque de bénévoles, ça nous tue beaucoup, là. On fait beaucoup, beaucoup d'heures. Fait que c'est sûr que le bénévolat, les gens qui s'offrent et qui viennent nous aider, ça nous aide vraiment beaucoup, mais le plus gros problème, c'est le manque d'espace pour toutes les accueillir. La directrice générale du refuge à Rouyn-Noranda est catégorique. L'organisme est une solution de dernier recours. Le refuge doit demeurer l'option de dernier recours. Ce n'est pas la première option à envisager. Il faut vraiment essayer de relocaliser l'animal de son côté avec la famille, les réseaux sociaux, les collègues. Ici, à la SPCA de Val-d'Or, une campagne de sensibilisation est notamment sur la table pour 2025 dans le but de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance du problème. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Ça fait presque 2 ans maintenant que le pape François a présenté ses excuses au premier peuple canadien. Mais que reste-t-il de ces amendes historiques aujourd'hui? Félix Baquer a rencontré Richard Kistabich, qui est un survivant des pensionnats autochtones. Y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Quand on écoute l'extrait prononcé par le pape concernant les excuses, on s'aperçoit très bien qu'il ne s'est pas excusé au nom de l'Église. Il s'est excusé à son nom personnel. Ce qui a fait croire à du monde que, oui, le pape a offert des excuses pour l'Église catholique, mais ce n'est pas ce qui est dit dans le vidéo. Puis peut-être, justement, pour vous, qu'est-ce que ça aurait changé qui endosse le rôle de l'Église à la place de parler en son nom? Ça aurait été encore des mensonges parce que il faut non seulement que s'excuser lorsqu'on fait des crimes ou des erreurs comme ça, il faut les réparer. Il faut qu'ils réparent. Si on veut vraiment croire à leur repentir, si vous voulez, de toutes les choses qu'ils ont faites au pensionnat, il faut qu'ils réparent. Un exemple bien simple. Mon nom, c'est Gina Gouzi. Oui, on m'a baptisé Richard Kistabich, mais
Je ne l'ai jamais connu, ce gars-là, avant l'âge de 7 ans. Est-ce que vous en connaissez des gens qui se sont déplacés justement pour le pape et pour qui ces excuses-là étaient importantes? Bien, il y en a. Il y en a beaucoup qui sont allés. Il y en a beaucoup d'intérêts. Tu sais, l'endoctrinement de la religion catholique ou des religions quelconques au Canada, ça fait des centaines d'années que ça dure. Puis l'endoctrinement, c'est une façon très sournoise de faire habiter les gens par une autre croyance que la leur. Un témoignage très évocateur. Mais Félix, est-ce qu'on sait le point de vue de l'Église catholique de chez nous? Écoutez, Mélissa, j'ai parlé à quelqu'un du diocèse d'Amos ce matin. Malheureusement, personne n'était disponible pour nous offrir un témoignage, ni au diocèse de Rouyn-Noranda, mais j'ai réussi à parler à un professeur de l'École des études autochtones ici à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et ce qu'il me disait, c'est que, bon, il était un peu trop tôt pour tracer les effets clairs de ces excuses-là, mais que selon lui, il n'y a pas eu d'effet qu'on peut remarquer en ce moment sur le terrain ou au niveau politique. Et ce qui m'a fait remarquer aussi, c'est que, bon, les personnes autochtones n'ont pas tous la même relation avec l'Église, comme les personnes allochtones, d'ailleurs. Donc, les excuses n'ont pas eu la même symbolique pour tout le monde. Évidemment, il y a des réactions qui sont assez diversifiées au sein des Autochtones eux-mêmes. Alors, pour certains, ils disent ça fait partie du colonialisme. Après ça, que le pape s'excuse, ça fait aucune différence pour moi. Pour d'autres, pour qui la religion peut jouer encore un rôle important, la religion catholique à ce moment-là, bien, c'est certain que ça peut avoir une signification qui est plus importante. La Santé du Québec appelle à la vigilance pour un système de fraude dans la MRC de la Vallée de l'Or. Les fraudeurs peuvent se déplacer pour offrir des services à domicile. Par exemple, un fraudeur offre des services tels que le nettoyage de conduits ou de réparation de fournaises ou encore de chauffe-eau à un coût très bas ou alors excessif. La vente de ce genre de service devient donc une fraude si le prix est excessif et s'il y a une fausse représentation, soit du produit vendu ou alors de l'état réel de leur construction. Dans notre dossier maintenant, le conseil de ville de Rouyn-Noranda souhaite se donner de meilleurs outils pour accueillir et intégrer dans la collectivité les nouveaux arrivants. Anthony Dallaire nous explique. La ville de Rouyn-Noranda compte établir un nouveau cadre de référence quant à l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants sur son territoire. En fait, la démarche au niveau du cadre de référence était moins lourde qu'une politique et on a vu aussi que d'autres municipalités allaient vers cette solution-là. Alors, on est bien heureux ce soir d'avoir octroyé le contrat. C'est la firme ADN Organisation d'Amos qui s'est vu octroyer le contrat de plus de 50 000 $ afin de réaliser le projet. L'entreprise a pour mission d'accompagner les entreprises et les personnes à trouver l'alignement stratégique qui convient le mieux dans le milieu dans lequel ils évoluent. Selon la mairesse Dallaire, le nouveau cadre va leur permettre de mieux guider les actions de la ville et de correctement cibler les besoins des nouveaux arrivants en matière d'intégration. C'est clair que la ville de Rouyn-Noranda se démarque par l'accueil de ces nouveaux Rouyn-Norandiens. Alors, vraiment, les activités d'accueil, comme ils sont faits chez nous, c'est pas dans toutes les municipalités que ça se voit. Alors, on est bien heureux, on est fiers de toute l'équipe qui travaille sur ce projet. Diane Dallaire rappelle d'ailleurs l'importance de tenir des activités d'accueil dans la municipalité afin de faciliter la découvrabilité du milieu. Pour nous, c'est bien important l'activité annuelle d'accueil des nouveaux Rouyn-Norandiens. Alors, ça se tiendra le 14 septembre prochain au marché public. Alors, c'est un brunch et puis normalement, c'est un événement qui est couru et très apprécié. Bien qu'on soit enthousiaste face au futur cadre pour les nouveaux arrivants, l'échéancier ainsi que le mandat donné par le conseil de ville à l'entreprise ADN Organisation d'Amos n'est toujours pas connu. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il assez d'initiatives dans la région pour accueillir les nouveaux arrivants? Vous avez répondu oui à 66%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Allô, Groupe Financier. Dirigeant d'entreprise et particulier, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Allô, mon nom c'est Olivier Ballou.
Moi, je suis l'auteur de Val d'Or souterrain. Demain, je lance mon livre ici à Val d'Or. On s'en parle après la pause. Vitimiskamingue et du Nord du Québec vous présente la Bonne Nouvelle économique TVA. Pour une cinquième saison, les amateurs de produits frais et gourmands peuvent faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, pour plus de goût, choisissons les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon de se procurer des produits régionaux. Une initiative des SADC de la Vitimiskamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. À Rouyn-Noranda, le terrain de l'ancien restaurant Au Poulet fera place à un immeuble de bureaux de 4 étages. La ville a autorisé hier soir la destruction de la dalle de béton et le réaménagement des lieux. Dans une deuxième phase du projet, deux bâtiments situés à proximité du terrain, soit sur l'avenue Fortin et la rue Monseigneur Tessier-Ouest, feront l'objet d'une démolition. Et on rappelle qu'en juin de l'an dernier, un incendie avait complètement ravagé le restaurant Au Poulet et la crèmerie Au Glacier. Les propriétaires avaient aussi annoncé en janvier dernier qu'ils ne reconstruiraient pas les installations. Et sur un autre sujet, la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue aidera les municipalités de la région à cartographier leurs réserves d'eau. L'organisme a récemment obtenu un montant de 200 000 $ du Fonds Région et Ruralité pour réaliser le projet. Et en connaissant les réserves d'eau souterraines, eh bien la société a espoir que les municipalités vont pouvoir mieux gérer leurs différents projets de développement. On vise à rencontrer une trentaine de municipalités au cours du projet pour leur proposer de leur faire un portrait cartographique. Présentement, il y en a peut-être plus que deux, mais moi, à ma connaissance, là, il y en a deux qui ont été faites, Saint-Mathieu-d'Aricana et Val-Saint-Gilles. Fait que c'est un peu ça, le portrait cartographique, ça va le déterminer où est-ce qu'est située la nappe phréatique, sur une escarre aquifère ou autre. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Justine, un roman graphique sera lancé demain pour justement inaugurer le Frima. Le Frima commence une journée plus tôt cette année avec le lancement du roman graphique Val d'Or souterrain par Olivier Ballou. Le lancement a lieu demain à 17h au Prospecteur à Val d'Or. Le Frima, là, c'est vraiment l'occasion parfaite de découvrir plein de nouvelles affaires. Eh bien, Val d'Or souterrain en fait partie. Dans Val d'Or souterrain, là, Olivier Ballou représente sous forme de dessins et de courts textes des histoires de des gens bien ordinaires qui ont marqué la région. Toutes les histoires là, sont tirées de faits vécus et sont fondées sur des recherches qui ont été faites pendant un an par Olivier. Dans Val-d'Or souterrain, là, vous allez découvrir des histoires vraies tirées de la vie des géologues, des mineurs, des spéculateurs et des criminels dont le destin a été marqué par le secteur minier. Bien, en fait, c'est des histoires de 7 personnes dont la vie a été affectée par l'or, de quelconque façon. Mais ce n'est pas les histoires typiques, ce n'est pas les prospecteurs célèbres, c'est des gens qui sont inconnus. Peut-être pour la première fois, ils ont raconté leur histoire. Et c'est comme nous tous, on a tous été un peu affectés par l'art. On vit ici à Val d'Or, ça existe seulement à cause de l'art. Donc, je voulais parler de leurs histoires. Mais pour moi, c'est super touchant de revenir ici puis de vraiment apprendre à réapprendre c'est quoi l'histoire de ma ville. Moi, j'ai toujours en tête un peu l'adolescent qui n'était peut-être pas du tout intéressé par l'histoire locale. Et là, il découvre le livre et là, il dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Bien, après avoir fait Val d'Or Néon, qui était sur l'ancien Château Inn, je me suis dit, bien, l'art, c'est incontournable ici, à Val-d'Or. Et puis moi-même, même ayant grandi ici, il y a plein de choses que je ne savais pas sur l'art, sur l'industrie. Et donc, j'en ai profité pour en apprendre puis raconter ces histoires-là. Et Justine, le spectacle bénéfice, le Boréal Show, se déroulait samedi dernier à l'Arena Nicolotto de la Sarre. Ils amassaient des fonds pour remettre à la maison de soins palliatifs le passage de l'aurore. Et il y a plus de 800 personnes qui étaient présentes à l'Arena Nicolotto pour l'événement. Les frères Moreau, Salut Bob Gorgé et le groupe Lendemain de veille ont fait danser la foule d'Abitibi-Ouest samedi dernier. Pour l'instant, là, on ne connaît pas encore le montant qui a été amassé pour la maison de soins palliatifs, mais on devrait le savoir d'ici la fin de la semaine. Mais ce qu'on sait, c'est que le comité organisateur du Boréal Show est bien fier de la job qu'ils ont faite samedi dernier. Ça a quand même été un franc succès pour une première édition. Ça reste toujours stressant un peu parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre.
Mais finalement, ça a été un succès là, pas mal sur toute la ligne. Les artistes ont été accueillis comme des rois selon eux. Après un dur suivi de festival là, durant l'été, ils ont resté surpris de l'accueil qu'ils ont eu ici à la Serre. On s'est engagé là, pour 5 ans avec la maison du passage de l'Aurore. C'est sûr que oui, pour une deuxième édition, on est en train de tenter là, pour 2 prochains artistes. Fait que reste à voir, il faut rester à l'affût pour plus de nouvelles. Après la pause, on va parler de l'Amossois Jacob Roy, qui a remporté un titre national de cross-country olympique junior en Nouvelle-Écosse cette fin de semaine. Les sports vous sont présentés par Thibault GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Jacob Roy a remporté cette fin de semaine le titre national de cross-country olympique junior en Nouvelle-Écosse. Le jeune homme originaire d'Amos aura été le seul coureur à conclure l'épreuve sous la barre de 1 heure, soit en 59 minutes et 57 secondes. Le prochain objectif de Jacob Roy sera le championnat mondial junior de vélo de montagne qui aura lieu à la fin août en Odor. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, un bulletin météorologique spécial attend la région, mais surtout le Témiscamingue. Des quantités importantes de pluie là, s'en viennent dans les prochains jours. De 30 à 50 mm sont prévues. À partir de cette nuit jusqu'à jeudi matin, là, les quantités pourraient dépasser les 50 mm même sous certains nuages. Habitants du Témiscamingue, là, soyez très prudents sur les routes. Et on va avoir un peu de pluie aussi en Abitibi. Pour ce soir et cette nuit, là, ça va être nuageux avec la pluie au courant de la nuit, un minimum de 11. Et du côté du Témiscamingue, ça va être des averses avec un risque d'orage. Une hauteur prévue de 10 à 20 mm par endroit. Tout ça accompagné d'un minimum de 14. Demain, préparez vos bottes de pluie et vos imperméables parce qu'en Abitibi, on va avoir des averses de 10 à 20 mm de pluie sont prévues et un maximum de 19. Aussi au Témiscamingue, des averses, mais même avec un risque d'orage et un maximum de 20. Et un petit aperçu pour jeudi, en Abitibi, on va avoir des averses avec un maximum de 23. Et pour le Témiscamingue, la pluie devrait cesser avec un maximum de 22 degrés. Je vous le répète, là, soyez super prudents sur les routes parce que de la grosse pluie comme ça, ça s'accumule vite sur l'asphalte. Effectivement. Merci, Justine. Et je termine avec Québec qui invite les entreprises de télécommunications à déposer leur projet d'amélioration de la couverture cellulaire dans la province. Et la région est d'ailleurs visée par la deuxième phase de ce projet. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve demain.